Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui, on va voir un petit truc à faire dans les jardins en permaculture, les jardins forêts. Ça va être de déchaîner ces salades ou ces petits plants. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a mes feuilles de chêne, salades feuilles de chêne. Voilà. Oui, c'est vraiment vraiment là les feuilles de chêne à 100%. Hein. Mais effectivement, ça on dirait même un petit chêne. Et en effet, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous? Un grand chêne, enfin plusieurs, un mélange. Et donc en bas, les feuilles elles tombent, les glands aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien ça germe. Voilà. Donc, si vous laissez ça comme ça, ben vos petites salades, elles ne vont pas pousser beaucoup. Donc je parle de salade parce que ça tombe bien, mais c'est valable pour tous les petits plants. Bon, vous pouvez en laisser quelques-uns si vous n'avez pas d'arbre à côté. Mais sinon, ça va être vraiment quelque chose d'important à faire. Donc moi ça m'embête après de jeter des petits trucs comme ça. Donc je vais en faire des bonsaïs. Maintenant, si vous ne faites pas de bonsaïs et que vous n'avez pas envie de replanter de forêt ailleurs, mais je ne sais pas trop ce qu'on peut en faire à part les mettre au compost. Même si j'avoue que c'est dommage. Voilà. Alors vous remarquerez aussi qu'un chêne... Là, la racine pivot, elle est déjà super développée, même si il est tout petit. Et même quand ils sont encore plus petits, les chênes, même quand ils font que 1 ou 2 cm, la racine, elle est déjà au moins 5-10 cm. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de formidable. Vous voyez, ça pousse bien. Et si vous avez un sol assez léger, bah vous voyez ça. Ça va se faire assez bien. Vous voyez là, la racine, elle devait déjà faire 20 cm. Et en tout cas, bah, c'est important que vous le fassiez maintenant. Parce qu'après, se retirer des chaînes, ça sera un peu compliqué. Voilà. Donc. Vous pouvez en garder quelques-uns, mais sachez quand même que avoir 200 chênes dans un petit potager de 10 mètres carrés, ça fait beaucoup. Voilà. Bon. Eh bien, moi, je retourne à mon déchaînage de salade, parce que j'en ai quelques-uns à retirer. Voilà, j'ai fini mon déchaînage. Donc là, j'en ai récupéré une centaine de pieds sur cette toute petite surface là. Ça doit faire 4 mètres carrés. Et voilà, bah, les autres, je les ai mis en paillage puisque j'ai plus de place dans mon pot. À bientôt dans la jungle!